Il y a une phase qui est extrêmement difficile à gérer lors d'une rupture amoureuse, c'est lorsque notre ex ne nous donne plus de nouvelles du tout. Notre ex est silencieux. Quoi qu'on essaye de faire pour contacter notre ex, quelle que soit la méthode, en direct, en envoyant des SMS, en appelant ou de manière indirecte par sa famille, ou même en passant par les réseaux sociaux, on n'a plus de nouvelles. Comme si notre ex était totalement désintéressé de nous et était passé à autre chose. Peut-être qu'il a rencontré quelqu'un de nouveau, peut-être qu'elle est passée à autre chose, on ne sait pas, et ça nous rend extrêmement nerveux. Je sais que je recommande dans toutes mes vidéos de faire un silence radio parce que c'est la chose la plus efficace statistiquement pour récupérer son ex. Il n'y a aucune hésitation dessus. Mais, on va voir aujourd'hui comment faire pour gérer son propre silence radio face à une personne qui est silencieuse. Est-ce qu'il faut recontacter l'autre à un moment donné? Est-ce qu'il faut le laisser revenir? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que c'est mauvais signe ou pas? Je vous explique tout dans cette vidéo aujourd'hui après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. C'est juste en dessous cliquer sur Je m'abonne, puis sur la petite cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui a été créé par des scientifiques réellement, par des psychologues, par des coachs de notre équipe, qui permet de donner le nombre de chances, le pourcentage de chances que vous avez de récupérer votre ex. Est-ce que c'est 1%, 2%, 20%, 99% C'est gratuit, c'est juste en dessous dans la description et dans le premier lien qui est en commentaire. Troisième chose, on a développé une application qui contient encore plus de quiz pour les téléphones portables, dans lequel vous avez aussi une formation qui est gratuite. Vous pouvez aussi contacter un coach de notre équipe, c'est gratos et c'est juste... En dessous. Alors voyons ensemble quelles sont les étapes par lesquelles votre ex va passer suite à la rupture amoureuse pour mieux comprendre ce silence. La toute première qui est dure à entendre, c'est une période de soulagement. Notre ex est enfin libre de faire ce qu'il veut, il y songeait depuis longtemps et maintenant il peut faire tout ce qu'il veut sur terre, sortir, rencontrer d'autres gens, il est heureux. C'est souvent là qu'on entend la phrase je ne veux plus être avec toi. Plus jamais on se remettra ensemble. Heureusement, c'est souvent temporaire. Après ça, on verra l'étape d'après, qui est la tristesse que la relation soit terminée, et on verra ensuite la troisième étape, qui est le moment où votre ex s'inquiète de vous, savoir ce que vous devenez, et l'ex va souvent reprendre contact avec vous. On va voir ensemble ces trois phases, et j'aimerais juste mettre un petit avertissement à ceux qui me contactent et qui me disent Antoine, je suis en silence radio depuis 24 heures, est-ce que c'est bon Je peux recontacter mon ex Ou des gens qui me disent Antoine, ça fait 12 heures que j'ai pas de nouvelles de mon ex, est-ce que c'est grave ou pas c'est beaucoup trop tôt. Un vrai silence radio. Si c'est une vraie rupture qui a vraiment du sens, qui est différente des autres, 24 heures, c'est beaucoup trop court. Alors parfois ça arrive qu'on se mette ensemble au bout de 24 heures, mais ça c'est juste une petite dispute, ce n'est pas une vraie rupture amoureuse. Souvent ça prend beaucoup plus de temps que ça et on va le voir ensemble. La première phase est très intéressante et elle est en même temps très dure à entendre. Vous êtes à l'opposé total de la planète dans vos sentiments juste après la rupture amoureuse. Eux sont dans ce que j'appelle l'effet sorti de prison. Ils sont enfin libres, ils peuvent sortir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils sont heureux. Ils ne s'intéressent plus du tout à vous. Ils sont concentrés vers l'extérieur, rencontrer d'autres personnes, faire de nouvelles expériences, essayer un nouveau sport, faire des cours de cuisine, sortir, faire des rencontres, pourquoi pas même aller dragouiller un peu depuis tout le temps qu'ils étaient en couple avec vous. Ils sont enfin libres de faire ce qu'ils veulent. Ils sont focus donc sur l'extérieur. Là où vous à l'opposé d'eux, vous êtes focus non pas sur l'extérieur, vous êtes focus sur eux, et éventuellement un tout petit peu sur vous, et ce que vous ressentez de négatif en ce moment. Vous êtes donc en phase de repli. La première chose à laquelle vous pensez le matin, c'est à votre ex. La nuit, vous rêvez de votre ex, vous mangez en pensant à ça. Et même quand vous êtes avec d'autres personnes, vous pensez qu'il y a une seule chose, votre rupture amoureuse, en vous disant, la seule manière que j'ai d'aller mieux aujourd'hui, c'est que mon ex revienne dans ma vie. Donc, votre ex regarde vers l'extérieur. Et vous, vous regardez vers votre ex. Alors, c'est normal parce que vous avez une expérience de rupture amoureuse qui est très fraîche, très récente. Ça fait peu de temps que c'est arrivé. Là où votre ex songe à ça depuis vraiment très longtemps. Donc, ça veut dire que vous êtes juste en décalage temporaire par rapport à ce que vous ressentez dans la relation. Dans tous les cas, que votre ex ait pensé à ça depuis un an ou que vous le sachiez depuis deux semaines, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est décalé et qu'on va devoir remettre et réaligner pour que le couple puisse reprendre. C'est quelque chose de temporaire. Votre ex ne veut pas vous faire du mal. Peu de personnes, sauf si c'est un pervers narcissique, sauf si c'est une personne qui est totalement désaxée, personne ne veut faire du mal à son ex. Ils ne veulent pas vous faire du mal. C'est juste que c'est une phase temporaire. Vous êtes en phase de décalage, qu'on vient de le voir. Et le silence radio... On met en place ou que vous allez mettre en place ce n'est pas encore le cas va les pousser à faire l'expérience d'une vraie rupture ils vont découvrir ce que c'est ils voulaient partir très bien on va se mettre en silence radio pour leur faire goûter à ce que c'est vraiment qu'une rupture amoureuse ils veulent plus vous très bien vous êtes à égalité vous allez partir également deuxième phase les faire goûter à la rupture amoureuse c'est ça consiste globalement à leur faire essayer ce que c'est que le vide de vivre sans vous votre silence va être extrêmement important pour vous. Vous savez quand on part de quelqu'un, c'est rarement parce qu'on déteste 100% de l'autre. C'est juste qu'il y a deux trois points qui sont compliqués dans la vie de tous les jours et qui font qu'on a envie de partir. Mais quand vous allez vous mettre en silence radio, ils vont faire l'expérience de ce que c'est de tout perdre et vos quelques côtés négatifs et aussi tous vos côtés positifs. Je sais que Beaucoup d'ex ont tendance à relancer, à venir se rassurer, à savoir s'ils peuvent toujours revenir au chaos. Ils peuvent même vous dire des choses comme est-ce qu'on ne devrait pas rester amis, au fait qu'est-ce que tu deviens, juste pour garder votre relation, votre ex-relation, en filet de sécurité à leur futur. Ce n'est pas ça qu'on va leur donner. On va leur faire goûter à ce que c'est qu'une vraie rupture amoureuse ils n'auront plus le droit de vous parler parce que vous êtes en silence radio, parce qu'il faut que chacun d'entre vous réfléchisse à ça. Ce n'est pas du tout une punition, vous ne voulez pas faire du mal à votre ex. Il faut juste leur faire comprendre quelle était votre place dans leur vie. Troisième point, c'est que vous ne voulez pas apparaître comme une nuisance aux yeux de votre ex. Je sais que... On a tendance à faire des relances, à insister, à vouloir négocier. Rappelle-toi comme c'était bien, et qu'est-ce que tu deviens, et si on se voyait, si on buvait un café ensemble. Sauf qu'aujourd'hui, chacune de ces relances fait fuir votre ex. J'ai déjà accompagné, je pense, plus de 10 000 personnes, et c'est toujours la même chose à chaque fois. Vous ne voulez surtout pas passer pour celui qui harcèle. Vous ne voulez surtout pas passer pour une personne qui est dans le déni total, qui n'a pas compris la rupture amoureuse. Vous êtes une personne qui est mature. Vous êtes une personne qui est indépendante, vous êtes une personne qui n'a pas peur et surtout, vous êtes une personne qui n'est pas prête à se rabaisser et à faire des concessions sur tout et n'importe quoi. Il est donc important de vous mettre à leur niveau. Ok, tu as voulu partir, ça me va très bien, je vais en faire de même de mon côté. Le silence radio résout tout. Le mystère est une composante extrêmement puissante de la séduction. Vous allez prendre du recul et en même temps, vous allez créer de la curiosité. La curiosité est un des premiers éléments déclencheurs de l'attirance. Au début, quand vous vous êtes connu, vous étiez curieux de connaître l'autre. Aujourd'hui, vous allez recréer ça. Vous allez recréer cette curiosité pour que votre ex se demande au fait, qu'est-ce que mon ex devient C'est vrai que je suis parti, mais peut-être que mon ex s'est retrouvé quelqu'un d'autre. Peut-être que mon ex est super heureux. Peut-être que mon ex a une superbe vie. Peut-être que quelqu'un profite de toutes les qualités de mon ex. Parlons quelques secondes du boost de l'ego. Lorsqu'on part, on se sent forcément supérieur. C'est quelque chose que personne ne voudra jamais admettre à l'oral sur Terre. Mais lorsqu'on part, on se sent forcément supérieur parce qu'on a pris cette décision. Parfois, les deux veulent partir, mais l'un des deux l'a prise, et c'est lui qui se sent supérieur. Même s'ils ne l'ont pas dit, même s'ils ont dit le contraire, comme par exemple en disant ⁇ Non, non, t'inquiète pas, on, le problème c'est de ma faute, c'est moi qui pars, c'est moi qui ai des problèmes. Non, non, ils se sentent supérieurs d'être partis. ⁇ et aujourd'hui, quand vous restez en contact avec votre ex, la pire chose qui puisse arriver, c'est que votre ex drague quelqu'un d'autre et qui montre votre, votre SMS ou les messages que vous envoyez en disant Regarde, mon ex est toujours accroché à moi. Mon ex m'envoie des messages. Mon ex est vraiment dingue de moi et n'arrive pas à tourner la page. Est-ce que vous voulez vraiment que ça arrive Non. Il y a déjà eu un boost de l'ego une première fois lors de la rupture. Vous ne voulez pas qu'il y en ait un deuxième en montrant que vous insistez pour revenir ensemble. En faisant le silence radio, vous vous sentez supérieur et vous montrez à votre ex que vous êtes supérieur. Et c'est votre ego que vous venez booster et c'est le sien qui vient diminuer parce que vous n'êtes pas en train d'insister pour vous remettre ensemble. S'ils étaient attirés par vous, aujourd'hui, ils seraient avec vous. Et si ce n'est pas le cas, c'est que vous devez recréer cette attirance. Ça prend du temps de recréer une attirance et ce temps, c'est le temps du silence radio. Ça peut durer parfois quelques semaines, ça peut durer parfois trois mois, qu'importe. Sachez que dans tout couple, la perte d'attirance est naturelle et lorsqu'on se sépare et qu'on vient supplier l'autre, on vient encore en perdre. Le silence radio, c'est la seule manière de venir recréer cette attirance. Et ça prend du temps. Et aujourd'hui, le temps, c'est la meilleure chose que vous avez à votre avantage. Vous avez juste à rien faire et à attendre que votre ex revienne avec le temps. Parce que votre ex va redevenir curieux, va venir vous contacter. Et il faut savoir que personne au monde n'aime être ignoré. Et ça, ça va les attirer. Au début, ils vont hésiter. Ils vont penser un petit peu à vous. Ils vont dire, tiens, c'est marrant, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de contact de mon ex, qu'est-ce que mon ex devienne Après ça, ils vont y repenser un peu plus. Après ça, ils vont venir vous voir sur les réseaux sociaux. Après ça, ils vont peut-être tenter ce qui s'appelle des contacts indirects pour se rassurer. Par exemple, vous allez poster une photo sur Instagram, ils vont venir mettre juste un like ou juste venir voir l'une de vos stories. Rabaissez leur ego dans ce cas-là. Si c'est juste un like, si c'est juste un contact indirect, ne rentrez surtout pas en contact avec eux. Rétablissez l'équilibre. Ok, mon coco, tu de me montrer que tu es là. Je ne reviendrai, je ne te parlerai que lorsque tu auras un vrai contact franc avec moi. Par exemple, ça peut être un vrai SMS de reprise de contact. Ça peut être un coup de fil. C'est un message qui ne laisse pas d'espèce de doute sur la signification, sur l'interprétation. Non, non. Soit, si tu likes mes stories, c'est une chose. Si maintenant, tu viens vraiment me contacter avec un vrai SMS que tu prends la peine de le faire. Dans ce cas-là, peut-être que tu auras de la chance que je te recontacte aussi. Il y a des gens qui me disent parfois, si ça se trouve, mon ex est en train de me faire un silence radio aussi. Donc en fait, on est deux à faire le silence radio. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est extrêmement rare, sauf encore une fois, si c'est un pervers narcissique qui veut vous faire souffrir. Mais généralement, celui qui quitte ne fait pas de silence radio. Donc soyez rassurés par rapport à ça. Vous devez recréer un jeu de séduction. On parle bien de jeu parce qu'il y a quelque chose de ludique derrière. Revenir de manière légère, retrouver du bonheur à se parler, laisser le temps effacer tous les problèmes que vous avez eus, se retrouver comme au premier jour. Et c'est ça qui fera qu'il y aura de la séduction et qu'il y aura de l'attirance à nouveau. Ils vont peut-être utiliser l'excuse pour vous contacter, comme par exemple coucou, je voulais juste savoir comment tu allais. Ça, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est acceptable. Ils prennent des nouvelles, on peut envoyer un SMS qui fait exactement la même taille pour renouer le contact et pour avancer. Et si leur message d'après est flou, ou on ne sait pas trop, ou il est ambigu, ou il est... on ne comprend pas trop, on laisse tomber, on attend qu'ils reviennent pour de bon, parce que dans ce cas-là, ils auront toute votre attention, dans ce cas-là, vous pourrez leur déclencher de l'intérêt et vous remettre ensemble juste après. Voilà, mes amis. J'espère que ça répondait pas mal de vos questions sur le silence de votre ex. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, partager autour de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Bye.